Oh putain, le airtime il est fou. Bon, aujourd'hui le plan c'est d'aller sur un petit roof qu'on avait déjà fait dans la POV numéro 1. Là on va essayer de revenir et trouver des nouveaux défis. C'est parti. Bon, ça y est, on est sur le roof et du coup il y a un petit gap ici entre les deux toits. Et là il y a Mehdi qui prep peut-être un costal entre les deux toits, c'est bon. Je fais un dernier élan et après je crois que je vais lancer. Oh mec, c'était hyper pro. Yes. Yes. Bon, il est chaud. Je pense qu'on va pas trop s'attarder parce qu'il y a pas mal de personnes qui nous ont repéré, donc on va enchaîner deux spots. Léo, il veut se chauffer sur un front qu'on avait repéré il y a pas mal de temps. Le problème c'est que l'accès il est un peu compliqué, donc on fait le tour du bâtiment pour trouver un accès, bah, déjà pour l'envoi et aussi hein, pour redescendre en fait, parce que bah, le risque c'est de rester coincé là-haut. Mais là du coup on check tout ça, on fait le tour des bâtiments. C'est celui-là. Là, il part de là-haut et il va jusque-là. On fait quoi, la meute? Bon, là, on est allé chercher une échelle pour essayer de monter sur cette réception et voir si elle est bien. Toi, tu t'es garé juste à côté, quoi. Bah ouais. En vrai, il y a personne là. On est en plein week-end. Normalement, c'est des écoles d'ingé et tout. Et le week-end, bah, franchement, on se fait jamais emmerder. Et là, ça fait longtemps qu'on le voit, celui-là. On l'avait repéré pendant le tournage de notre POV. Donc si vous l'avez pas vu, on vous met un petit lien. Et sauf qu'on pouvait pas le faire parce que ici, là, sur le départ, il y avait plein d'eau. Et l'arrivée, bah, on savait pas trop comment elle était. C'est pour ça qu'on va vérifier, là, avec une échelle. Ah, c'est cool, ça. Ouais, ça va. Petit toit végétal, c'est parfait. C'est bien. Qu'est-ce que t'en dis? Ouais, c'est nickel. En vrai, ça ferait d'ici. Ouais. Et bim, on atterrit ici sur la couche végétale. Parfait. Je pense que ça va le faire. Tu le fais comment, toi? Moi, je le fais en droit, je pense. Oui. Et toi? Bah, moi, franchement, si ça se passe bien haut là, si le départ est cool et tout, bah, ça part en fonte. Parce qu'il est quand même parfait. Bon, là, du coup, on a trouvé un accès au roof. Donc, on va se faire la petite grimpe. Sur la broyeuse. Yes. Ah, il est fat. Ouais, il est fat, hein. En front, il est fat, hein. Bon, là, Mathieu et Louis vont se lancer sur le roof gap qu'ils ont repéré. Là, il y a tout le monde qui est en place. Chacun à son poste pour tourner tous les angles possibles. Ah, mais j'ai pas atterri dessus. Mais si, mais c'est sûr. Tu peux le faire d'abord. Ouais, okay. Allez, Mathieu. 3, 2, 1, go. C'est énorme. Le airtime, il est incroyable. Oh putain, le airtime, il est fou. Allez, ça part. Mec, j'ai rien. Mec, ça allez, fait du cliff là encore. C'est incroyable. C'est de la mousse. Et là. Putain, mec, c'est quoi, ça me brille. Ouais, ça le brain de ouf. En même temps, c'est bien grand. Mais c'est bien, il y a des fenêtres pour pouvoir visualiser bien l'arrivée. C'est parfait. Et là, il y va. 3, 2, 1, ça part. C'est n'importe quoi! Oh mec, on a fait du cliff là! Mec! C'est chaud! Putain! Oh chaud!
Mec, j'ai dégroupé, j'étais en mode waouh, je vois tout. La dinguerie. Oh, yes. Je suis arrivé bien en plus. Tu fais un side en fait. Mec, il est arrivé sur le côté à moitié. Mais oui. Mais en fait, on dirait il a clip parce que genre il est resté tellement longtemps en l'air. Il a grave bien visualisé le front. Ah franchement, il a éclaté. Hein. Magnifique. En plus là, il va faire nuit bientôt, c'était le timing parfait. Bon, ça y est les gars, on a fait le gros roof gap, on est trop heureux, ça s'est trop bien passé. Et là, il commence à faire nuit, on va ramener l'échelle. Il est 7h du mat, on vient de se réveiller face à un gros bunker qui monte au-dessus d'une plage. Et là, on va essayer de monter jusqu'au sommet. C'est pas gagné, mais normalement, ça va le faire. Je crois qu'on est arrivé dans le repère des pigeons en fait, il y a des gardiens partout. C'est comme dans un jeu je pense. Genre là on est au premier niveau, il n'y en a pas beaucoup, plus on va monter, plus il va y en avoir. Oui. Wow. Il fait n'importe. Là, Léo, il fait des trucs un peu sketchy et du coup, il a failli tomber. C'est de la cascade. Et en plus, ça donne pas trop envie, je t'avoue que. Il y a un nid à chevilles juste en dessous et au-dessus, c'est un nid à pigeons. Donc, c'est une sacrée explo. Oh, la filetterie. Ils sont si proches, regarde. Sac. T'as les mains dans quoi, Louis? Dans la merde. Je crois qu'il y a vraiment tellement de merde que ça me surélève pour attraper le prochain niveau. C'est abusé. Je crois qu'au-dessus, il y a un carnaval de pigeons. Ah bah. Bon là je crois que la seule manière pour nous d'arriver là-haut c'est de passer par ce petit tuyau. Bon, en vrai ça passe mais c'est serré quand même dans le petit tuyau là. On va monter les gars. Et ça fait peur pour lui quand même parce que lui il est un peu large. Allez mec, allez au lit. Ouais faut que je passe les bras comme ça en fait sinon c'est mort. Non, il faut que tu te laisses tirer. Oui. Là, tu peux poser là. C'est vrai, si tu te laisses pas tirer. Il était comment le décollage, ce match là? C'est magnifique. Fusée dans le trou, ça part. Bon, bah là, il y a des belles lueurs. On va sortir le drone et c'est parti.